Déferlement de population de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny à Cocody, une heure avant l'arrivée du président Alassane Ouattara en terre des Burundis. Personne ne veut se faire compter le retour du chef de l'État. Regroupé par milliers, chacun tient à le voir pour lui exprimer sa joie de le revoir bien portant. On aura appris que ouais, le président est mort. On a appris beaucoup, il y a trop de rumeurs. Donc nous-mêmes, on ne croyait pas dans les pour lesquels on est venu aujourd'hui. Nous sommes mobilisés, on a quitté Abassam, on vient de créer Abassam. On a venu derrière nos présidents, présidents qui sont en train de travailler pour le pays. Nous sommes heureux de l'accueillir parce que nous étions un peu orphelins. Mais parce que le charisme de notre président, on en voulait. Parmi ceux qui attendent de l'accueillir, de nombreuses personnes, hommes et femmes, aux accoutrements particuliers, tenant chacun une canne. Autre innovation, des écrans géants pour distiller le long de l'itinéraire du cortège présidentiel, des messages de bienvenue et de compassion au chef de l'État. Ces équipements, une initiative de la Fondation du PDCI-RDA et des communicateurs du RHDP, soutenus par l'inspecteur général d'État Niamien Gouran. Le tout pour embellir l'accueil du président Alassane Ouattara, et ce fut tout simplement un succès.